Voilà, normalement j'ai lancé l'enregistrement, ça veut dire qu'on entend ma voix, hein. Là on entend ma voix, une de test, oui parce que j'ai lancé l'enregistrement. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Bonjour à tous les amis, c'est Zoda, il est Zoda TV, aujourd'hui on se retrouve avec mon cher et tendre cousin Diabolo. C'est trop, comment vas-tu? D'accord, donc c'est lui, donc il a changé de skin, c'est pour ça qu'on le reconnaît pas, mais il y a toujours une gueule de con dans la vraie vie, ça change pas ça, c'est dommage. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur de Freedom, l'IP sera dans la description, c'est un petit serveur fait uniquement en commande bloc par Didi Léo. Et là on est sur un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode de jeu zombie, on est sur un map de Call of Duty Black Ops 2, il va y avoir des zombies, il va falloir les niquer, c'est fait uniquement en commande bloc, c'est super bien fait, ça va déchirer. Comme le jeu est encore en version bêta, on peut aller que jusqu'à la manche 27, mais on n'a jamais réussi, hein, donc voilà. On est vraiment des grosses merdes, surtout lui, hein, il arrête pas de mourir dans la lave, sale pute, va, sale pute. Et puis ça commence dans quelques secondes, c'est parti! Il y a pas mal de petites statistiques qui apparaissent dans le chat qui vous disent que les zombies ont 0,1 de speed, qu'ils sont plus ou moins forts, etc. C'est super bien foutu en tout cas. Alors un gros GG à lui, et pour ça vous pouvez laisser un gros pouce bleu. Hein. Comme ça, ça me fait un argument pour que vous puissiez laisser un like, et comme ça j'aurai plein de likes et je vais buzzer de ouf. Voilà, donc laissez un like, allez-y, vas-y, maintenant, vas-y. Vas-y, maintenant. Voilà, c'est bien. Là, quelle est la différence entre une belle-mère et le chocolat? Je suis sûr, il y en a pas. Non, le chocolat ça constipe et la belle-mère ça fait chier. T'es vraiment fou, hein. Arrête, calme-toi, assis. Je suis assis, t'inquiète. D'accord. Bah je joue pas debout à vrai dire donc. Il jouait du piano debout. Hey, manche 5, est-ce que tu veux nous refaire ta blague de tout à l'heure qui avait pas été enregistrée? Je me souviens plus. Bah là on est manche 5 mais toi t'en as que 2 parce que t'as que 2 bras. Ah oui c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Voilà, donc bah là voilà. C'était vraiment drôle et on rajoute un petit danon. Avec des rires préenregistrés. Et là on voit qu'il y a quelqu'un qui brosse. Qui fait un énorme twerk sur la musique de la Macarena. Pour ceux qui se disent que les zombies sont très lents, évidemment qu'ils sont très lents parce qu'ils ont un effet de speed 0,3. Ce qui fait qu'ils vont moins vite que normalement. Oh merde, c'est bon. Comme toi, adieu. Comme toi avec ta bite, adieu. Je suis sûr que t'es très lent. Voilà, c'est bon, je suis mort. Non, c'est vrai? Ouais. Ah bah t'es vraiment un prépuce mouillé. J'ai eu un freeze. Tu sais qu'apparemment, si on te brûle le pénis, tu vas avoir froid à ton pénis tout le reste de ta vie. Quoi? Ouais. C'est chaud, hein. Bah non, c'est froid. Il con. Alors vite, suicidons-nous. Sinon, tu sais que tu peux faire le lit. Ok. Ça brûle. Ouais. C'est chaud. Pourquoi je t'ai vu fly, grosse pute, va? Non, c'est juste que je tombais de l'arbre. Ah d'accord, ok. Ah oui, bah oui. Parce que c'est un singe, t'as compris? Non. Mon skin, oh, bah, t'es un singe. Débile. Ah, c'est un singe, ton skin. T'es pas cramé. Attends, laisse-moi regarder. Ah ouais, un peu, ouais. Maintenant que tu le dis, ça ressemble. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a une petite paire de ressemblance. Enfin, c'est un peu chelou comme singe. Mais why not? Oh putain, je voulais vraiment te le piquer, mais genre, tout ce que j'aurais donné pour pouvoir te le piquer, mec, c'est violent. J'aurais donné ma mère, tu comprends? Si je me prostituais, est-ce que tu me paierais juste pour voir comment je te fais des danses, etc.? Non, je crois pas. D'accord. Tu me feras un prix, non? Vu qu'on est besoin. Ouais, si tu veux, je te fais moitié prix. Non, gratuit, non? Moitié prix. Mais faut que je gagne un peu ma vie quand même, hein, parce qu'une prostituée masculine, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Regardez ces tétons! Fais voir tes tétons, gros! Tiens, je te montre mes tétons. Mais retourne-toi, sale merde, va. Je peux pas y voir sinon, tiens, allez, voilà, je te pique, oh, voilà, maintenant tu fermes ta gueule. Tu vois mes tétons noirs? Ah, j'aime bien. Tétons noirs. Eh, t'aimerais bien voir ça dans la bouche, sérieusement? T'es sérieux? Vous avez également des effets de fire resistance ici pour ceux qui veulent. Hein, je vous dis, puisque voilà, c'est comme ça. Pourquoi tu leur parles? Ils sont même pas là. Arrête! Mais moi je vois les gens derrière la caméra. Ah! Mais mec, rhabille-toi, monte pas ta bite comme ça, t'es sérieux ou quoi? Putain, le gars il garde mes vidéos, il est en train de se toucher à nous, c'est dégueulasse! C'est une coquillette! J'aurais plutôt dit un spaghetti vu la forme. Ah putain, c'est moi le spaghetti, ok? T'es sérieux, tu clashes tout seul comme ça? Mais non, mais le mec se clash la bite. Ma bite c'est un spaghetti, il est long. Et il est fin. Ah oui, bah oui, mais c'est un spaghetti gonflé. C'est en fait, c'est un mélange entre un spaghetti et un macaroni. Exactement. Toi, c'est un ravioli. Je suis en train d'imaginer une bite en forme de ravioli, du coup, tu sais. Avec la viande à l'intérieur, tout ça, tu vois. Ah, arrête. Je veux goûter à la garniture.
Tu peux mettre un peu de gruyère dessus. Ah non, j'aime pas le fromage. Tu sais, le fromage un petit peu périmé, là, du lendemain. Oui, c'est ça qui puait. C'est ça qui collait, qui était blanc, là. Oui, exactement. T'aurais pu me prévenir, quand même, qu'il y avait du fromage. Hein. Ah, la technique de cheater, ma man. T'inquiète, y a pas Didi Léo. Tu vends des MacBooks. Ouais, en fait, on faisait ça. On faisait ça, et en fait, il me disait qu'il fallait pas camper, tu vois. Et du coup, et il nous a fait spawner des slimes. Enfin, il m'a fait spawner des slimes, parce que Zodali était mort. Putain de merde! Non! Non! Luc! Je suis ton père! Non! J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Parce qu'en fait, c'est le même cri que j'ai sorti. Bon, les amis, on est reparti pour une nouvelle game du coup, parce qu'on a lamentablement échoué à la manche 12 suite à ton échec sur la première partie. Ça veut dire que toi, t'as eu un échec, moi j'ai eu un échec, alors maintenant on devrait ne pas en avoir. Donc, mais comme on dit maths. Souvent, jamais 203, bah dans ce cas, voilà. Compris. J'ai envie de vomir. Bah, vomir. Pourquoi t'es content? Non, parce que t'es con et j'ai envie de gerber sur tes conneries, quoi. Écoutez, je vais boire de l'eau et puis je reviens, hein, mais vous, ça change rien parce qu'il y aura une putain d'ellipse. YOLO. Ta gueule. Ok. Vu que mon cousin est parti, hein, clairement, je vais vous dire un point secret. En fait, il est con. Enfin, je pense que vous l'aurez remarqué, mais voilà. Regardez. Ah non, mais... Là, je suis là, vous voyez, bonjour. Je suis en train de me taper un délire, tout ça. Il m'entend pas. Je suis sûr qu'il est là, il m'espionne. T'es là? Nous revoilà 10 secondes plus tard au moment où j'ai bu de l'eau que j'ai posée d'ailleurs sur mon bureau et de cette façon il y aura un matelot qui coulera dans l'eau et ça fait des rimes en eau, c'est super rigolo. Ah oui, je me suis tapé un délire tout seul. Ah d'accord, bon, je pourrais peut-être le laisser donc. J'ai dit que t'étais con. Quel fils de pute. Heureux, bah en fait comme on se faisait chier en zombie vu qu'on n'arrêtait pas de crever, on a décidé de partir sur du Skywars sur Hypixel, voilà, c'est très original et c'est très fun et c'est très HD. Mais viens, 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 y'a des gens. Ouh. Bah là. Où? Bah là. Bah où? Bah là. Mais c'est pas toi, what the fuck. Non, je... Et il va me pousser dans le vide. Ah bon. Fils de pute. Oh mec, j'ai eu un coffre. Du feu de dieu. J'ai eu un coffre de merde. Par contre, j'ai pas de bloqueur. Je te laisse bridger, ma man. Allez, au revoir. Mais non, mais mec, j'ai pas de bloc. T'as besoin d'aide? Ok. Ouais. Ah, tu t'es fait un petit passage sans moi. Ah, what? Allez, nique-toi. T'avais qu'à me filer des blocs. Vas-y, go, fais gaffe. Oh, t'as failli te manger une flèche. Bah! Ah, j'ai eu peur. Oh, ils ont tous les deux épées en diams. Yes! Nice. Ah, il arrive. J'avais prévenu. Merci. Oh, y'a Super Melon TV. Corail! Il t'a plagié. Ah ouais. Défonce lui la gueule. On n'aurait pas dit un peu. Ça te rappelle quelque chose, ce bruit? Oui, un peu, ouais. Je t'avais fait hier soir. Ah. Étonnant, je m'en souviens plus. Tu veux un pantalon? Parce que non. Là, fais gaffe, on voit un peu ton... Mon kiki. Voilà. Allez. Vas-y, je te laisse bride. Non, mais t'es sérieux. Okay. Oh, je suis tombé, putain. Sérieux? Il y avait un trou. Comme d'habitude, le trou de balle qui te fait tomber. Super, c'est pas super. Sur ce, les amis, c'était Zodaï de la Zoda TV et Diabolo Citron. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager sur Twitter, @ZodaïCréation, etc., etc. Je vais pas vous refaire le petit dialogue habituel, même si je viens de le refaire et que j'ai dit que je le refaisais pas. Ok. Putain, je suis des mains, c'est dégueulasse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dont la date de sortie s'affichera à la fin de celle-ci. C'était Zodaï de la Zoda TV et puis... Ciao, bye bye. Au revoir. Eee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